Jacob Pops, toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Il a adopté un chaton. Est-ce que vous croyez à ça? Genre la Choco, moi là, moi, je vais avoir un chaton. Je n'arrive pas à y croire. Je dois tout vous raconter. Et ensuite, on va aller le récupérer. Vous pouvez le voir, je suis chez moi. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai déménagé dans mon appartement. C'est-à-dire que maintenant, vous allez voir des petits vlogs chez moi. En gros, je vous explique. Depuis que je suis petite, je rêve d'avoir un chat. Quand j'allais au Maroc avec ma famille, je restais toute la journée, même la soirée, devant la maison de chez ma grand-mère. Et je restais avec les chats, avec les chatons. Je leur donnais à manger. Je passais le temps chez mes grands-parents à rester avec les chats. C'est la seule personne au monde qui va en vacances pour rester avec des chats. Vous dire à quel point j'aime trop les chats. Et là, maintenant que j'ai déménagé, je me suis dit, il y a quoi qui me retient d'avoir un chat. Quand je rentre chez moi, je suis vide. Je suis là, il y a personne. Il y a pas d'âme, il y a pas de vie parce que je suis seule chez moi, il y a pas mes parents, il y a pas ma famille. Et surtout quand j'étais petite, mes parents voulaient pas qu'on ait d'animaux de compagnie parce qu'il y avait pas de place. Surtout que c'est un coût, c'est une responsabilité. Mais là, maintenant que je suis toute seule, je vais adopter un chat. L'histoire de mon chaton. Je vous explique. J'étais tranquillement chez moi, je cogitais et là, Tia, ma copine que vous connaissez, qui avec qui je faisais des vidéos avant, elle me fait un vocal me disant Choco, sache que là, on a genre 6 chatons à la maison. Les 2 chats qu'on a à la maison, on fait plein de petits bébés chats. Des chatons ! Si tu veux un chaton, tu me le dis. Parce que là, on est en train de tous les donner pour ceux qui ont envie de les adopter. Donc moi, je suis là sur mon petit téléphone. C'est que tu tombes à pic, Tia. Montre-moi les photos des chatons que t'as. Et là, les gars, les filles, les Choco Pops, quand je vous dis que j'ai vu ce chaton. J'ai même pas eu le temps, même là je pourrais même pas vous dire à quoi ressemblaient les autres chatons. Parce que je l'ai vu et je me suis dit, c'est lui que je veux. Sa petite bouille, on dirait, regardez-moi ça, on dirait qu'il est tout triste. J'ai envie de le manger, j'ai envie de... Oh non, il est trop mignon. Et là je me suis dit, ok, tiens, je veux l'adopter, je veux lui donner tout l'amour du monde. Et elle m'a dit, ok, vas-y, pas de soucis, tu viens le récupérer quand tu veux. Il a fini son sevrage, c'est-à-dire qu'il est resté avec sa maman assez de temps. Donc là, je vais avoir un chaton. Attendez, c'est pas tout. Vous allez vous dire, comment tu vas le nommer, Choco? Lors de mon sommeil, mon doux et profond sommeil, je me suis vue avec ce chaton. Je me suis vue l'appeler Patinoire. Et genre j'étais là en mode, Patinoire, fais pas de bêtises. Je vais appeler mon chaton Patinoire. À chaque fois que je disais à mes amis, ils étaient là en mode, mais qu'est-ce que tu racontes, Patinoire? Mais tu veux qu'on aille faire une activité? Et puis quoi encore, bowling, roller? Non, je veux qu'il s'appelle Patinoire. Du coup, vous allez m'accompagner avec moi, on va récupérer Patinoire. Soit je l'appelle Patinoire, ou soit je l'appelle Chatouille. Je trouve que le mot chatouille, il est trop mignon, genre pour un chat c'est trop mignon. On va voir sa petite bouille là tout à l'heure, et on va voir si on l'appelle Patinoire ou Chatouille. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire déjà d'ores et déjà, mais on verra. Et regardez tout ce que j'ai reçu. Je vais être honnête avec vous, j'ai acheté tout ça pour mon chaton. J'en ai eu pour 900 €. C'est quand même énorme comme montant. Mais je me dis, là, mon chaton, il va être bien. J'ai acheté genre une litière économique. Qu'est-ce que tu racontes? Ergonomique, quoi? Électrique, je cherchais mes mots. J'ai acheté des jouets. J'ai pas encore ouvert, j'ai rien ouvert. Sauf ça. C'est pour mettre Patinoire dedans. Je vais être maman les gars. Vous avez tous intérêt à accueillir Patinoire comme il se doit dans l'espace commentaire. J'ai acheté tellement de... On va ouvrir ça quand on aura Patinoire à la maison. Mais là il y a tellement de choses. Oula. C'est pas ce carton. Vous allez comprendre pourquoi j'en ai eu pour 900 €. Et encore il n'y a pas tout qui est arrivé. Ah non c'est pas ça. Ah c'est le griffoir. C'est pas ça. Je vais ouvrir tous les cartons là. C'est pas ça non plus. C'est soit dedans, soit c'est... Je sais pas. Non. Oh non je sème. C'est le fauteuil que j'ai acheté. Parce que oui je lui ai acheté un fauteuil. Bon bah du coup j'ai pas de couverture pour les chats. Bon bah j'ai pas reçu, c'est pas grave. Il y a tellement de colis, je vais ouvrir tout ça de toute façon quand je vais revenir. Avec Chatou. What? Je viens de l'appeler Chatouille. Chatouille ou Patinoire? Je sais pas. Je vais prendre ça du coup. Et c'est parti, on va tout de suite. Ah ouais, média. Pour aller récupérer Patinoire. Mais bon, avant que j'aille récupérer Patinoire et qu'on va le découvrir ensemble, je vais adopter mon premier animal de compagnie. Une telle responsabilité pour moi, la Choco. On fait quoi, Choco? À moins si vous avez l'habitude. Choco, balance la pub! La vidéo débute. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolat & Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu et bien sûr à mettre son code créateur Choco dans la boutique de Fortnite, C-H-O-C-O-H. Merci à vous. Allez, on y va. Oh, c'est parti, récupérer Patinoire. C'est bon, je suis arrivée à Webedia maintenant. Direction la maison pour récupérer le chat. Mmh.
C'est lui? Oui, c'est lui. Attends, je rêve, c'est lui. Patinoire? Oh, c'est Patinoire. Et ça, c'est son frère, du coup. Ouais, ou sa sœur. On se voit pas si c'est mais non. Garçon. Attends, et Patinoire, c'est une fille ou un gars? Pour regarder. Oula, c'est genre depuis le début, chercher. Je pense que c'est un... Oh non, c'est lui. Tu veux qu'on regarde? Ouais, vas-y, on va aujourd'hui découvrir le genre. Ouais. Il veut vraiment bien. S'échapper. En fait, il a peur. Il a trop peur. C'est une fille, je crois. Ah attends, ouais fais voir. Attends. Non, attends. J'ai pris loin des bouches, le vétérinaire. Non, c'est un garçon. C'est un garçon. Ouais, c'est un garçon. C'est un garçon. Hey okay, c'est un petit bon, garçon. Ok, papa. C'est une petite fille. C'est pas Patinoire quand même. Donc moi, je te l'envoie, ça m'aime pas du tout. Je pense. Ok, Patinoire ou chatouille. J'hésite. Sa petite boule là. Amuse-toi encore un peu ici là avec tes frères et sœurs parce que tu vas plus te souvenir de. Quand tu seras chez moi, tu vas plus te souvenir. Et donc, c'est les petits frères et sœurs. C'est trop mimi. Il se cache là, mais regardez-moi cette bouille là. Mais laisse-moi dormir, Azam. Patinoire, viens wesh. Il est super, super craintif. Mais déjà même quand j'avais vu sa petite bouille, au début de la vidéo je vous ai raconté la story time, quand je l'ai vu je me suis dit c'est lui et personne d'autre, j'avais l'impression qu'il était tout triste. Genre il avait un petit air tout triste avec des yeux tout tristes. Mais regardez-moi cette bouille. Patinoire c'est toi. Patinoire c'est toi. Il a 2 mois. On le voit tellement bien là. C'est bon, je suis avec Patinoire, il kiffe. Il kiffe déjà là. Là vous voyez sa petite bouille. Il est tellement bien installé, tous les autres ils ont super peur. Et lui non, regardez. C'est bon, il kiffe déjà. Oh non, c'est trop mignon. Je suis trop contente. Eh, il va être tellement bien, j'ai acheté tellement de jouets pour lui. Non, non, désolée pour les gestes. J'ai oublié que c'était un chat. Bon, il avait envie de partir, depuis tout à l'heure on est comme ça. C'est trop mignon, j'aime trop. J'aime trop les chats. Vous êtes plutôt team chat dans les commentaires ou team chien? Mais wesh, il est parti en cavale. Moi je t'aime bien. Faut qu'on aille acheter des croquettes maintenant. Attends, je me suis un petit peu amusée avec lui. Parce que j'ai pas de croquettes. J'ai tout acheté chez moi, mais pas les croquettes. Donc je vais acheter ça. Et on m'a conseillé, genre ceux-là, c'est pour les juniors de 1 à 12 mois. Oh, même cette photo ici est trop mignonne. Donc c'est parti, on va acheter ça. Direction achat des croquettes. Des crocs. J'espère que vous kiffez ce petit vlog. J'ai pas l'habitude de faire des vlogs en vrai, mais là, vu que bah c'est un moment assez symbolique dans ma vie, je voulais garder des symboliques. Bah oui, c'est toute une histoire en vrai. Hein. Un chat, c'est une vie, c'est comme si j'adoptais genre un être. Bah c'est carrément ça en fait. Du coup, trop bien. J'ai pas l'habitude de faire des vlogs. Plus de monétisation. Non, incroyable. Si vous aimez bien les vlogs, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que je vais partir là à Dubaï avec mon papa. On va faire un petit voyage tranquillou bilou à Dubaï ensemble. Si vous avez envie de voir un vlog, bah dites-le moi dans les commentaires. Chocolat, je vais mettre chocolat. Appel manqué, on met. Ah ouais, mais il sera sorti le son. Regardez, vous avez entendu ce que j'ai dit? On peut carrément mettre mon son là. Appel manqué puisque vous le connaissez vu qu'il est déjà sorti à l'heure où je vais publier cette vidéo. Oh, et... Je commence à être un peu habituée à tenir la caméra et à plus trop regarder ce qu'il y a autour de moi. Mais du coup c'est trop drôle quand les gens genre ils disent mais qu'est-ce qu'elle voit chez là. Oh putain, pardon Popo. Eh, ferme ta gueule. Je savais qu'elle allait réagir comme ça. Ok, on est là dans 1 minute. On arrive au supermarket. Ciao, à tout de suite. C'est ciao. J'aime trop les fleurs. Incroyable. On fume, j'ai entendu quelqu'un dire, j'ai fait une compréhension orale. Ça me rappelle que j'ai arrêté l'école. C'est ici. Oh, ça c'est pour les chiens. C'est trop mignon. On va nous prendre des petits jouets si tu veux. Oh non, je sais, j'ai eu pour 900 euros de jouets. Ah ok. Je pense que les bébés chats ils peuvent boire du lait. Moi je leur donnais ça. Ça? T'imagines là dans les commentaires je me fais démonter par les vétérinaires. En oh je te tue. En mode pourquoi t'as donné ça à ton chat, t'es sérieuse? Ah bah oui c'est ça, c'est exactement ce qu'il y avait chez vous. Genre c'est junior 1 ou 12 mois. Ou à chaque fois les vétérinaires ils nous ont rien dit genre. Non bah c'est bon alors. Donc, vu que je vais voir le vétérinaire lundi, forcément il va me dire des choses que je dois prendre ou pas. Moi je suis sûre. Go. Non, je vais acheter du chocolat. Ça fait trop longtemps que je vais manger du chocolat. Oh my god, je vais avoir un chaton. C'est la vie, rien à voir. Je suis trop heureuse. C'est trop sur mon visage. Je suis une personne très expressive alors là. En fait, maintenant, j'ai même plus envie de manger. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Maintenant, j'ai commencé à arrêter de manger du chocolat et tout parce que c'est vraiment pas bon pour la santé. Que maintenant, quand je me retrouve devant, je fais est-ce que ça vaut le coup? Là, je vieillis. Ouais, je crois aussi. Calmons-nous, nous avons que 18 ans. On va prendre ça en fait, vu qu'il y a du chocolat un peu. Allez, on va à la caisse. Non, en fait, non, je veux pas partir. Tu peux tenir ça comme ça, je réfléchis un peu plus. Vas-y, réfléchis. Alors. C'est bon, ça. En vrai, tu sais pas quoi prendre, des trajets bus, ça fait la vie. Non. Perte de poids, ça fait un peu. Oui, mais juste un sachet. Allez, un sachet.
je vais la laisser dans le magasin, je crois. Alors ? C'est bon, j'ai dit non. Allez, on y va. Alors, ça prend du temps. Tu vas aller courser. Non, là, j'ai envie d'avoir le goût du Nutella dans ma bouche. Ouais. Parce que je vais. Oh, j'ai dit, c'est trop bon. En vrai, j'ai pris une petite gourmandise pour moi et plein de gourmandises pour le chaton. J'ai hâte de rentrer à la maison pour pouvoir jouer avec les petits jouets et surtout lui laisser prendre ses marques un peu. Parce que c'est pas facile. C'est ça que je veux en fait. C'est ça, ça. C'est tellement sucré, mais c'est tellement doux. Trop bien. Tu sais, ça, à chaque fois que je vais dans les magasins, je regarde s'ils ont. Et à chaque fois, ils en ont plus. Là, c'est trop bien. Non, mais arrête de me filmer comme ça. On dirait que je suis minuscule. C'est juste le point de vue, je vous assure. Ça fait ma taille le truc. Grave. Choco, elle fait la taille de deux sachets de croquettes. Oh my god. C'était qui déjà qui me disait ça avec les téléphones? J'ai oublié son prénom. Elodie Costard. Qui c'est ça? Elodie Costard. Non, c'est pas Costard, c'est Costa. Désolée, Elodie Costa. Oh patinoire, je suis pas là, je suis pas là. Tu fais que farcer à tout griffer. Ah. Là, on est bien. Là, non. Tant que j'ai pas ça dans ma bouche, on est bien. Il y a pas plus belle journée qu'aujourd'hui là. Écoutez, tu appelles manqué de Choco, moi, avec les délits, délices de caramel, avec un chaton. C'est bon. Atcha, goûte maintenant, dis-moi si c'est pas bon. T'as vu, c'est des délices au caramel. Oh, c'est excellent. Genre c'est une petite pâte au caramel, biscuits, chocolat au lait au-dessus. Oh là là. Mais c'est tellement doux, tu comprends pourquoi j'ai posé le truc. C'est bon hein, mais c'est sucré, genre c'est bourratif un peu. Allez, on se la remet. On se la remet, c'est parti. Appel manqué, on n'est pas là. Oh, il est dedans, allez on y va. Allez hop. Au revoir. Oh, on dirait le voir à patinoire. Oh non. Sa famille lui dit au revoir. Regardez sa petite bouille là, il comprend pas. Noir. Voici la maison. Hey, je suis tellement fatiguée les gars. J'ai tourné deux vidéos aujourd'hui. Je suis KO. Le trajet était quand même assez long. Et Minou, pauvre patinoire, il faisait que de miauler. C'est bon, on est arrivé patinoire, ok. J'ai trop peur qu'il ait fait pipi partout. C'est pas grave, je vais vite le sortir parce qu'il m'a fait trop de la peine. Genre, ça me fait trop la peine le fait de savoir qu'il est genre un peu enfermé. Voici l'appartement patinoire. Allez, tu peux sortir. À tout moment, il sort pas. Oh, je l'ai pété. Oh là là. Je suis malade. De toute façon, il reste à la maison. Ah non, lundi, il y a le veto. T'as vraiment pas que je l'ai pété, sinon, bah, le veto, c'est annulé. Oh punaise, je l'ai pété. Pourquoi y'a que moi pour péter les trucs? Oh non, c'est annulé. Patinoire, tu peux sortir. Il a. Oh, il a trop peur, regardez-le moi. Allez. Il veut pas sortir. Je rêve. Bah, dans tous les cas, tout à l'heure, il va falloir sortir, Minou. Hein. Il va falloir manger, il va falloir te. Je crois vraiment il a rêvé. Oh non. C'est pas grave. C'est quoi en attendant moi patinoire? Pendant que tu aies confiance. Oh non, la grille est cassée. Je vais ouvrir ta litière comme ça. Il va pouvoir faire pipi et caca dedans. Je crois que je vais me changer, je vais mettre un pyjama, je suis KO. Du coup je me change. Bon, c'est quoi de mon outfit du jour? Déjà zoom. Hop là. Moi j'aime beaucoup. Je vais mettre un pyjama, ok? Ah bon, mon pyjama il est trop beau genre. Bon attendez, je reviens. Oh non, je suis en train de me changer là vite. Et patinoire il est en train de miauler. Patinoire, mais viens. Il a trop peur, mais patinoire. C'est moi ta maman maintenant. En fait, il faut qu'il sorte. Je vais essayer de le faire sortir, attendez. Parce que j'avoue que rester dans la cage, il doit pas comprendre qu'il peut sortir. Allez, patinoire, c'est fini. C'est fini ça, tu vas rester ici. Oh non, il découvre. Voilà, c'est bon, c'est grand, c'est la maison. Il est en train de découvrir l'appart. Ah, je suis mort. Oh my god, c'est la découverte pour patinoire. J'avais oublié que les chiens en fait ils se voyaient partout, je suis trop bête. Ça c'est mon studio patinoire. Et ça c'est la cuisine. Ah, il a tiré par la saleté. Il va voir quoi? Il va voir directement la poubelle beurre. Ok, tu veux découvrir quoi d'autre maintenant? Ça c'est moi ça. Ça c'est moi. Ah non, pas mon studio. Je pense qu'il faut que je ferme la porte de mon studio. J'ai peur qu'en fait il y a plein de câbles. Oh, il s'est mis sur le canapé. Oh le fou. Je voyais, je vous avais dit. Maintenant je vais laisser la porte de mon studio fermée. Ah non, patinoire on sort. Allez. Patinoire on sort. Allez, allez, allez. Il s'est mis sous le canapé. Patinoire. Oh non mais il s'est mis sous le canapé. C'est le bordel. Je sens qu'il va faire des conneries. Je veux pas qu'il reste ici. Je ne veux pas qu'il reste là parce qu'il y a des câbles partout. Et les chatons ils ont la fâcheuse habitude de s'amuser avec les câbles. Faut pas. Peut-être que si je lui prends une friandise, il va peut-être vouloir partir. Du coup j'étais en train de vous montrer mon petit outfit. C'est pour ça que je me suis. Oui. Allez, on va le prendre. Mission récupération. Patinoire. Je vais retirer le fauteuil, c'est ça. Heureusement qu'il était pas en dessous. Je vais péter un câble. C'est quoi ce chaton? Oh non. Ok, il s'est mis ici parce qu'il a peur. Regardez-le moi.
Il est super craintif. Il a peur. C'est pas grave, c'est le début, c'est normal. Il va s'habituer de toute façon et il va kiffer sa vie. De toute façon, j'ai pris plein de jouets et tout pour qu'il se dise ok, tout va bien, je suis chez moi. Ça se voit que je suis KO. Il miaule. Les gars, j'ai perdu le patinoire. Elle a fenêtre à l'ouvert, j'espère qu'il... Mais non, impossible, c'est un chaton. Il peut pas sauter. What? Oh non, Bibou! Oh non, mais patinoire! Arrête d'avoir peur, patinoire. Il s'est mis sur le... Oh non! C'est moi, tout va bien. C'est moi ta maman, maintenant. Je me fais trop de la peine. J'ai l'impression qu'il a l'air d'être un peu triste d'avoir touché sa famille. Mais c'est bon, c'est moi ta maman. En fait, ce qui est trop triste, on m'avait dit ça, les parents de patinoire, c'est ma copine qui a sa famille, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je me suis dit, c'est trop cool, genre, de temps en temps, je peux ramener patinoire voir sa famille. Sauf qu'on m'a dit, vous me dites si c'est vrai ou pas dans les commentaires, on m'a dit que les chats, ils se souvenaient pas forcément de leur famille, une fois qu'ils étaient partis de chez leur famille, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et qu'ils savent pas qu'ils sont dans la même famille. Les connaisseurs de chats, dites-moi si c'est vrai ou pas, sinon, ce serait cool de le ramener voir sa famille. Mais ça l'a choqué aussi, la cage et tout, pendant 30 minutes. Là, je vais tout lui ouvrir. Genre, je vais lui ouvrir son fauteuil, je vais lui ouvrir tout. Je vais lui mettre son petit bol de croquettes et tout, comme ça. Il va être tranquille. Genre, il va pas être trop stressé. Il va dire, ok, j'ai tout ce qu'il me faut. Ok, chatouille ou patinoire. Je sais pas comment je vais l'appeler. Chatouille, patinoire. Et il est réceptif à aucun nom. Tout va bien, patinoire, tout va bien. Je vais le laisser ici, s'il sent bien ici. Donc ça, c'est la litière pour le chat. En gros, la litière, c'est là où il va faire ses petits besoins et tout le trait à l'air. Yo, j'arrête. Ça, ça se met dedans. Je pense que je vais le prendre avec moi, j'arrive, j'arrive. Regarde, ça va être là. Litière, c'est là où tu vas faire tes popos et tes pipis, ok? Non, il comprend pas, c'est un chaton, ça va. C'est bon, je comprends pas trop, c'est quoi le principe de la litière? Je capte pas, y a pas de câble. Par contre, patinoire, pas les câbles. Je vois, il s'approche des câbles et tout. Non. Patinoire. Je sais pas ce qu'il fait, je crois qu'il fait des bêtises. Il est en train de gratter quoi? Je sais. Non, patinoire. Ah, au secours! J'en ai marre d'être mal au dos! Je me suis fait super mal à la lèvre! Ah, j'espère que je saigne pas! Oh, si je saigne! Le nombre de boulettes que je fais quand je vis seule! Là, il y a un trou! Je pense que je vais le mettre là-bas! C'est ça, d'être seule chez soi! Putain, mais je suis trop maladroite! Mais c'est trop stylé! Toutes les petites billes vont devoir aller à l'intérieur! Hey! Me connaissant, Choco Safa, n'en mets pas partout! C'est tellement ASMR! C'est tellement ASMRisant! Je crois que je l'ai pété. Je crois que j'ai mal fait un truc. Que j'ai vraiment mal fait un truc. Je trouve qu'il est beaucoup trop au sol. Je crois que j'ai mal fait un truc. Ah ouais. Mais je comprends pas les gars. Le caca après il va aller où? Ah, dans le bac je crois. Ah. Et du coup là c'est bon. Eh, je vous avoue je comprends rien. Je vais demander à mon pote, c'est lui qui m'a conseillé d'acheter ça. Ça c'est quoi ça? C'est ses jouets. Allez, on ouvre. J'aime trop. Depuis mon déménagement, j'ai fait que d'avoir des colis. J'en ai marre des colis. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté tellement de choses que je sais même pas ce que c'est. Oh non, c'est l'arbre à chat. Oh non, mais ça va être impossible de le mettre maintenant. Il faut des vis et tout. J'ai demandé à quelqu'un qui vient me faire. Je vais le mettre de côté. Je crois que ça, c'est son fauteuil. Donc je vais lui ouvrir ça maintenant. Je l'ai pris rose. Parce que j'aime trop le rose. Vous me connaissez, moi, ma passion du rose. J'ai ouvert son petit fauteuil. Mais je comprends pas, c'est comme ça que ça se met? Et lui, il se met dessus. Bah attendez, je vais essayer de le mettre dedans. Patinoire, reviens. Elle arrête d'avoir peur. C'est trop mignon. Là t'es bien non? C'est ton petit endroit, c'est ton petit fauteuil. J'aime trop. Ça va, là il bouge moins. Genre tout à l'heure il était un peu stressé. Il est dans son petit coin, tout cocooning. Sa petite bouille, genre il est triste. Tout va bien, t'inquiète. J'aime trop cette petite bouille. Regardez-le comment il est mignon. Patinoire. Il a encore peur. Là-bas derrière. Bah, je vais le laisser, je vous avoue, je vais pas le forcer. Il va ou elle. Imaginez depuis le début de cette vidéo, je fais que de dire il alors qu'en fait c'est elle. Je vais récupérer le colis qui est dans le hall, c'est là où il y a ses gamelles normalement. Le livre il est laissé dans le hall donc je vais récupérer ça vite fait. Je vais laisser la caméra ici avec patinoire. Cherchez ça vite fait, j'arrive.
Oh, ma vie, regardez-le. Oh non, c'est bon, là, il se met un peu plus à l'aise. J'ai des frissons de vie dans la rue. Ça me rend trop joyeuse, j'aime trop les chats. C'est trop mignon. Je suis morte. Je vais vraiment faire son petit coin. Je vais lui mettre des jouets aussi. Et comme ça, il pourra être vraiment bien. Oh, ça pue. J'espère qu'il a vraiment pas fait pipi ou caca, là. Il est où? Oh non, non, non. Les gars, patinoire. Il est où le ref? Patinoire. Eh, j'aime pas les chats quand ils font des frayeurs comme ça. Ils miaulent plus. Oh, il est au fond. Eh, je déteste les chats pour ça. Oh my god, ils me font trop peur. J'ai l'impression de le perdre à chaque fois. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, je sais pas. C'est les croquettes qui sentent ça. Oh, perk. On va pas le mettre là. Je sens que cette première soirée va être très épuisante. Oh, il mange. Regardez-le. Je l'ai mis à manger comme ça, il est bien. Voilà. Mais non, mais il a trop peur. Il aura tout. Et il pourra faire sa soirée tranquillement. Il pourra manger, dormir tranquillement. S'il aura besoin de moi, il viendra. Je vais pas le forcer. En vrai, c'est un chaton. Donc je pense que les premiers jours, c'est normal. Et ben voilà. Les Chocopops, je pense que j'ai fait ma mission du jour. J'ai rempli ma mission du jour. Je lui ai fait sa petite litière. Son petit gratte. Comme ça, si je vois qu'il commence à gratter le canapé, je fais non, c'est ici, chat. Je sais pas, je dis chatouille ou je dis patinoire. Je sais pas comment l'appeler, chatouille, patinoire. Et là, il a son petit endroit cosy. Bah voilà, les Chocopops. Je vais vous laisser, je vais le laisser prendre ses marques. Moi je vais me reposer aussi parce que je suis tellement fatiguée. Aujourd'hui j'ai tourné la vidéo où je vous montre mon appartement. Là j'ai récupéré Chatouille. Mais oui, je l'appelle Chatouille, j'appelle pas patinoire en fait. Chatouille, patinoire, patinoire, ah je sais pas. Bref, voilà voilà mes chocopops d'amour que j'aime tant. J'ai l'impression d'être une youtubeuse gaga. Bref, plein de bisous et on se retrouve demain ou à la prochaine connerie de patinoire ou de chatouille. Allez, bisous. Pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à la zioter, ma vidéo s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à la regarder. Je vous fais des très gros bisous.